L'ennemi est constitutif de notre personnalité, c'est ce qui nous constitue. C'est d'abord le questionnement sur nous-mêmes, l'ennemi. Quand on sait qui on combat, on sait qui on est. Les catégories populaires se rendent bien compte que nous vivons dans une post-démocratie, qui est un détournement des procédures démocratiques qui confortent le pouvoir des oligarchies. En matière de terrorisme d'État, la terreur, cet épisode terrible qui va faire plus de morts en l'espace de 10 mois que l'ensemble des jacqueries et des révoltes sociales sous l'Ancien Régime. C'est nous qui l'avons inventé. Ils n'ont pas cherché à préserver cette amitié supérieure qui liait les Français entre eux, une solidarité fondée sur l'esprit communautaire. Ils ont ignoré les besoins de l'âme, que sont l'identité, l'enracinement, savoir d'où l'on vient et ce que l'on doit aux siens.